Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah al-A'raf, surah 7, ayat 180. Walillahi al-asma'ul husna fad'ouhu biha. Ou Allah inaman jolino, allo, adoli, priez-li pas sabannoula. Nous finons prendre dans ma leçon précédente, qui, inshallah, nous propose concernant le Coran pour connaître l'islam dans sa simplicité et dans sa globalité. Et nous finissons dire que le titre Coran, c'est Allah. Parce que partout dans le Coran, il y a le mot Allah. Ensuite, nous finissons dire que le chapitre dans le Coran, premier plus grand chapitre, c'est Allah. Ensuite, nous finissons dire que le sous-titre de ce chapitre-là, premier chapitre qui nous fait apprendre la dernière fois concernant qui s'en a Allah, qui était Allah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons prendre deuxième sous-titre, c'est Ben Asma'ullah al-Husna, Ben Jolino Allah, Ben Sifat, Ben Qualité Allah. Mais seulement nous ne pourrons pas prendre de détails concernant Ben nom, mais nous pourrons prendre une petite chose spécifique, le nom Allah. Par exemple, le nom Allah, Ar-Rahman, c'est lui qui a extra beaucoup pitié. Ar-Rahim, c'est lui qui a pitié. Ça, c'est Ben Sifat, Ben nom Allah. Al-Malik, le roi. Al-Salam, la paix. Al-Khalik, le créateur. Tout ça, là, c'est ben nom et ben attribut d'Allah. Il y en a 99 noms qui, souvent, des fois, chers frères et sœurs, nous trouvons des gens qui prennent l'asma Allah al-Husna, qui mettent dans un cadre, après ça, collent dans la case, dans le magasin, dans la boutique, dans le bureau, et avec l'intention pour gagner barakat. Fais attention. Normalement, il faudrait nous faire doa, nous demander doa avec Allah, là, nous pour gagner barakat. Ne pas coller un papier qui est dans ce sifad-là et nous croire que ça pour faire l'effet de nous. Bien loin avec ça. Les capables bien graves, si nous croyons dans un papier qui nous colle dans nous la case ou bien dans le business et nous dire que ça permet une barakat. Non, barakat, c'est quand nous lire, quand nous faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça va nous là, c'est un nom extraordinaire. C'est un nom qui n'a pas de secret derrière ça. Et il a pitié, il a miséricorde d'Allah qui nous-mêmes nous pas connaît pas derrière ça va nous là. Ça va nous et ben sifat Allah, il y a beaucoup même, nous nous connaissons une partie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une grandeur, une qualité, etc. Pour quand on prend ben nous et ben sifat Allah, ben attribut d'Allah, il y a trois petites choses qui nous apprennent. Premier, nous apprennent nous Allah propre, ça veut dire ça nous là par exemple, je Karim, généreux, Razik, c'est lui qui donne nourrit. Ça veut dire ce nom. Deuxième, nous apprenons ce signification. Ça veut dire, nous dire, Karim, généreux, il y a une générosité extraordinaire. Ça veut dire, nous apprenons traduction littérale de sa attribut-là. Troisième, ce qui concerne nous, aujourd'hui, nous utilisons ce sous-titre-là, c'est l'effet de sa ben Asma'ullah al-Husna. L'effet est qui nous profitait avec ça. Qui nous gagne à travers ce nom-là? Inch'Allah, nous vous donne quelques exemples pour nous capables de comprendre, Inch'Allah, l'effet. Et ça, est quelque chose de plus important de Asma'ullah al-Husna. Le mot Karim veut dire généreux. C'est nous traduire littéralement comme ça même. Mais généreux, Allah, n'est pas pareil comme généreux Bandimoun. Bandimoun aussi, le généreux. Mais Allah, sa générosité, il dépasse toutes les limites. Il complète, il n'y a aucune défaillance, il n'y a aucune manquement là-dedans. Mais générosité, ben, dimoun, il n'y a pas de défaillance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit envoyer ce ben Asma'ullah al-Husna, il nous l'est qui aussi, nous comme ben insan, nous gagne un partie, ça ben sifat, là, ça ben qualité là, et nous applique-li dans la vie de tous les jours. Par exemple, le mot Karim, Allah généreux, ce générosité dépasse toutes les limites, il donne ce qu'il y a envie, quand il y a envie, ce qu'il y a envie, sans nous demander, nous pas demander, il donne nous, il part de nous, quand il y a envie,
ne demande ni pardon, ni de nous ban délai quand nous commettons ban péché, tout ça là c'est générosité. Allah. Alors, rien ne peut qu'on ban sifat, sa sifat de Karim, quand nous connaissons qui Allah le Karim, alors nous pouvons être contents pour venir vers Allah, nous connaissons parce qu'il est content de donner des partages en retour, non, y est. Alors ça, faire ça, dit mon âme, il compte, il vient plus proche avec Allah, et il compte Allah, et ça, faire lui content pour vivre dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous prenons déjà l'exemple, Wakil, garant. C'est lui qui, lui-même prend compte tout ce qu'il a dans ce monde-là. Lui-même, il connaît, avant qu'il nous dise quelque chose, Allah, il finit connaît. Les garantit nous tout ce ban subsistance, tout ban quelque chose qui est un bizarre sur la terre, Allah lui prend responsabilité. Les wakil, chers frères et sœurs, tout le monde sur la terre, il y a des quelque chose qui nous gagne tracas. Nous gagne tracas nous la vie, parce que nous perdons vie, et nous gagne tracas nous risque tantôt tension, nous pas gagne nous manger boire. Mais si un dimon dit connaît qu'Allah lui-même wakil, lui-même qui finit prend garantie pour lui de nous, tout ce qui nous bise, alors qui traque à nous gagner? Qui traque à nous pour gagner nous ministres? Peut dire pas pour de nous manger boire, nous chef, peut ménage nous, si nous connaissons sa qualité wakil, hein? Alors nous pouvons pour gagner traque à personne parce qu'Allah lui-même garantit, personne pas pour faire nous, parce qu'Allah finit prend nous comme pour nous garantir. C'est-à-dire, il pour aider nous, il pour guider nous, il pour montrer nous et il pour empêcher les autres faire nous dito. Nous donnons l'exemple, chers frères et sœurs, dans la guerre Uhud. La guerre Uhud, c'est deuxième, la guerre qui est arrivée, troisième, l'année Hijri. Les musulmans, dans cette guerre-là, dans la première partie de la guerre, ils ont fait une faillite. C'est-à-dire, ils ont perdu la bataille. Et ben sahaba, à peu près 70 sahaba qui fait mort, il a fait blessé, il a pas pu commencer, etc. Une fausse nouvelle fin venir, qui Quraysh peut venir avec une la force plus fort qu'ils ont fin venir, à peu près 3000 soldats qui ont venir, ils ont venir plus que ça pour venir attaquer les musulmans. Dans ce moment-là, ben sahaba, je t'y connais, sa sifat Allah qui appelle wakil, qui je t'y dire, fazadatum imanan, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Quand je finis connais qu'il va n'appeler venir avec sa qualité information qui fausse, mais seulement je peux gagner un tracas, mais je connais qu'Allah les garant. Allah suffit pour je. Je n'ai pas besoin de personne. Fazadatum iman. Ça finit augmente iman, ça va en sahaba là. Je finis dire, حسبنا الله. Allah suffit pour nous. ونعم الوكيل. Et lui-même les plus vrais garant pour nous, plus grand garant pour nous, lien pour prendre nous compte. Alors, ben sahaba, je à l'aise, je suis assisé. Je ne connais qu'Allah qui vous prend notre compte. Alors, nous aussi pareil, chers frères et sœurs. Si nous te connais dans un moment difficile, surtout là, dans un moment coronavirus, etc., ben maladie, ben tracas, ben toutes cas des nouvelles, vous attendez, un musulman, la nuit, les jours, il besoin de faire à tasbila. Hasbunallah, wa ni'ma al-wakil. Hasbunallah, wa ni'mal wakil, as Allah lui suffit pour nous, et lui-même le plus grand garant, il peut protéger nous contre les difficultés. Nous prenons bien l'exemple avant de terminer, nous prenons l'exemple de Malik. Malik veut dire le roi. Le Coran même, comme on commence moi-même, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, c'est Malik Yawmiddin, le roi, le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour Qayamat. Tout le monde, je dis, je forme partie d'un groupe, qu'il y soit un groupe politique, qu'il y soit un groupe religieux, qu'il y soit un groupe régional dans son endroit, dans sa famille, et il est content pour appartenir de ce groupe-là. Il est content pour donner sur le temps, sur l'énergie, sur la richesse, jusqu'à même donner sur la vie, parce qu'il est senti appartenir à ce groupe-là, il est bien sacrifié pour ce groupe-là. Mais si nous t'y connais, qui Allah al-Malik, lui-même, le souveraineté, tout appartenir à lui. Walillahi khaza'inu samawati wal ard, walakin al-munafiqin la yafqahoun. Pour Allah, ben trésor, ben l'échelle et la terre, mais ben munafiq, pas connu comme Allah peut venir connu dans surah munafiqoun, surah 63, ayat 7, qui, si nous t'y connais, qui tout ce qui est dans l'échelle avec la terre pour Allah, nous partons pour un tracas, ça les rois là,
puis en de nous, puis empêche-nous, sa ministère, puis en de nous, puis empêche-nous. Je donne l'exemple. Haroun al-Rashid, un pommi ban calife dans l'époque abbasite, il y a un dimoun qui tient à iman, t'as quoi? Une fois, il y a un verre de l'eau devant lui, et il peut dire avec un pommi ce ban conseiller, conseille-lui. Maintenant, il y a comme ça, oh Haroun al-Rashid, te apporte, il n'y a pas d'existe à l'époque-là, royaume l'islam, tu es bien grand. Ça vient de là, si tu bois, si moi, empêche-toi, bois, ça vient de là, qui te fait, hein? Haroun al-Rashid, il dit à moi, c'était. Ça vient de Lola avec la moitié Mauricis. Après que tu aies fini boire, quand Manadia dit, après que tu aies fini boire ça, mon pistolet, toi ça de Lola, allez. C'est-à-dire, al pipi, etc. Il dit à qui m'a posté la moitié mon la santé avec Maurice, la moitié mon Mauricis pour ça la santé là. Alors Manadia connaît qui Haroun al-Rashid, ce royaume qu'il peut appartenir par vous un verre de l'eau. Chers frères et sœurs, je vous dis, ben les rois, ben ministres, ben des gens qui n'ont ben grand des gens qui fait des autres de la terre, je crois qu'ils ont une richesse, sa richesse là, pas vous autres, ça. Je finis en prenant ma leçon précédente. Même ceux de l'écho, pas vous autres. Je n'ai pas existé un emprunt pour un quelque temps. Et il y a même des gens qui n'ont seul qu'à des richesses, mais seulement les pas carrément un bout de pain. Pourtant, richesse là devant lui, nous connaît qui tout ça là. Walillahi khaza'inu samawati wal ard. Allah pour lui le royaume. Zoukayamat Allah pour dire Limanil mulkul yaoum. Pour qui ça n'a le royaume, Zoudizou, tout ça man les rois, tout ça man des mouns qui peut faire extravagance sur la terre, tu peux déclarer extra sur la terre. Personne pas pour répondre. Allah même pour répondre Lillah, Lillah, pour Allah. Allô, chers frères et sœurs, si nous ne connaissons qu'Allah lui-même, Al-Malik, allô, nous pouvons dépendre de lui, nous pouvons accoster avec lui, nous pouvons rester avec lui et nous pouvons venir de partir Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas perdre personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître ce ban sifat, ce ban nous asma'ullah al-husna et surtout nous prendre l'effet ce ban asma'ullah al-husna et le Coran rempli avec ce ban sifat là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente l'iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.